Et salut les gens, c'est Smarties et nouvelle vidéo aujourd'hui sur le jeu Battle Point Universe. Et avant de commencer, vous pouvez peut-être déjà vous en apercevoir, j'ai un nouveau micro. Et ça c'est beau. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo avec un nouveau micro sur le jeu Battle Point Universe. Un petit shoot-em-up version art plastique pour nous rappeler les bonnes années collège. Ouh là là, c'est plein de couleurs. To move point cursor to other side. Ah oui, d'accord, je ne touche à rien. C'est juste la souris qui me fait me déplacer en allant à gauche ou à droite. Bon, on va aller à droite, hein, suivons la logique. Si je clique, je saute. Ok, bah c'est écrit ici, c'est très bien, c'est très pratique. Oh, une télévision avec une casquette, ok. Bon, bah le texte, bon, bah pas de bol, c'est en anglais. Mais bon, je pense que les panneaux vont nous suffire à nous aider, alors... Quand on voit un truc qui tourne, on court et puis ça sauvegarde notre progression à checkpoint, hein, tout simplement. Alors quand on voit ce symbole, faut cliquer gauche, droite, bravo la traduction, pour interagir. Donc on clique droite, voilà, très bien. Oh là là, on a changé de plan. C'est magnifique. C'est des très beaux graphismes. Oh là, c'est quoi ça? Est-ce que tu veux essayer ma chance de l'infini ciel? Tout à fait. Ok, on va voir. Ok. Alors, c'est quoi ça? Infinite Outward. Bah, écoutez, je ne sais pas ce que vous voulez, madame Natacha, mais j'accepte. Hein, partons à l'aventure. Ouh là là! Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Oh là là, le vaisseau spatial du destin. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des. Alors, ça, c'est la monnaie. C'est des yeux de castor. J'ai quatre yeux de castor. Et donc si j'achète le Dragon Blade, Dragonfly Blade, ça me coûte 1. C'est quoi? C'est une petite arme de mêlée. Donc je vais acheter ça. Je peux pas, ok, faut d'abord que j'accepte. Ok, donc là à mon avis il m'explique ce que je dois faire. Pour chasse équipède. Tout à fait. J'achète. J'achète tout. Voilà, j'achète tout. Et launch, c'est pour lancer. Nous partons à l'aventure. Qu'est-ce que nous réserve ce jeu de shoot-em-up? Wave 1, c'est la première vague. Je tire avec le clic gauche, ok. Oh là, truc qui brille, c'est toujours bon à prendre. C'est... Bah, si c'est ça la monnaie, je vais vite être riche. Par contre, je tire pas vite, hein. Ah, mais ça coupe et merde. En fait, j'ai une petite attaque de mêlée. Mais il faut pas que je rentre dans mes ennemis, sinon, eh ben, j'ai mal. Ok, donc vague numéro 2. On va avoir un peu plus de complications, là. Assez spécial, hein, ces graphismes de bande dessinée. Enfin, non, même pas de bande dessinée, de dessin de collégien, je dirais. Et merde, je crois que je suis mort. Oula, attaque. Attaque couteau d'acier. Couteau d'argile. Eh, hey, mais me tire dessus, mais cassez-vous. J'aime pas vos tomates, là. Elles sont pas bonnes, elles sont pas fraîches. Oh là là, nous prenons de la monnaie. Alors je sais pas s'il y a une fin à ce niveau ou si ça s'arrête quand nous sommes morts plusieurs fois. Je crois qu'il me reste plus qu'une vie, hein. On le voit à côté de la thune. Il me semble là-haut en gauche précisément. Alors tiens, coup de couteau dans ta face. On prend l'argent. L'argent ou le mur. Bon bah là en l'occurrence c'était l'argent et le mur. Cette magnifique émission sur TF1. Non, j'ai un peu de mal à comprendre... Ce qui se passe là-dedans, il y a de plus en plus d'ennemis. Il y a des plus ou moins gros globes, j'ai l'impression aussi. J'espère qu'il ne faut pas que j'accepte le message en bas à droite, sinon j'ai pas fini. Ouh le boss! Ouh le boss! Attention, a priori, il a plusieurs parties découpables. Découpables non pas des gens qui sont soupçonnés d'avoir commis des crimes, hein, mais découpables dans le genre tranchade. Hein. Ouh là là! Qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'ai peut-être plus que 2 vies en fait, c'est peut-être le gros bloc. Qu'il y a en haut à gauche de l'écran, voilà, actuellement. Ok, donc attaquons avec notre petite mitraillette ce gros vaisseau de gudin. De gudin. Bon, il a pas envie de se casser. C'est un vieux papier. Oula, il me reste plus qu'une vie. Il me reste plus qu'une vie. Peut-être la première mort fatale de cette vidéo, je ne sais pas. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, ok, il revient avec des copains. Mais casse-toi, brûle, je sais pas, fais quelque chose là, j'ai l'impression que je lance des blocs de mousse là, ça fait rien du tout.
Quand je le touche, ça devient rouge, mais ça fait rien, quoi. Wow. Oula. Ah, faut peut-être que j'aille lui faire des coups de tranchette, là. Et tiens, un coup de tranchette. Et voilà, je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Première mort. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai fait 3 vagues, j'ai collecté 100 thunes. 100 thunes, enfin, 100 globes de vie, ok. Donc, si je veux continuer, je suppose que je vais lui reparler. Bon, on va avancer. Voir ce qui nous fait découvrir ce jeu. Ouh, un monsieur avec des lunettes. C'est le vigile. Est-ce que je peux passer, monsieur le vigile? Est-ce que je vais essayer ma chance today? C'est la question, ça. C'est la question que tout le monde se pose. Donc, on a quoi? On a... Alors oui, il parle de la roue de la fortune qui a l'air généreuse aujourd'hui. For me, Link. Ouais, mais j'en ai que 100. Donc, du coup, il veut pas. Ok, bon, avançons. On aura peut-être d'autres choses. Ouh, la porte du destin. Qu'est-ce qui se passe derrière cette porte du destin? Peut-être un nouveau monde. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bah, si, on dirait un nouveau monde. J'ai peur de plus j'avance. Est-ce que cette... de plus en plus ardu. Je ne sais pas. Bon, avançons. Oh, une baleine! La baleine d'or. Qu'est-ce qui se passe? Un golden sketch. Pff, aucune idée de ce que c'est. Ah bah si, ça m'a pas rajouté 300 de thunes, là? Je sais pas. Bon, un checkpoint. Prenons-le. Avançons. Découvrons encore les joies. Ah bah, il y a des maisons, là-bas. Il y a des maisons! On va aller voir les habitants de ce magnifique monde de dessin, d'art plastique... Et chez mon carton. Ah oui, non, mais je peux sauter aussi. J'ai oublié ce petit détail. Le saut fatal. Ouh, je suis tombé. Je suis tombé tout en bas. Et là, je commence à être perdu, là. Bonjour, madame la télé. Oui, bon, tu sers à rien. Enfin, c'est peut-être un monsieur. D'ailleurs, excusez-moi, je ne sais pas. J'arrive pas à voir. Bon, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'ordre. S'il vous plaît, quoi. Donnez-moi des indications. Ah, oh là, il y a un truc bizarre, là. Hop. Allez, s'il te plaît. Ah, mais c'est des plateformes, ça. On y croit. On y croit. Ah oh, oui, bonjour, monsieur. Oui, les Golden Sketch. Non, j'en ai chopé un, mais je sais pas ce que c'est. Quoi ça sert? Ok, donc on peut les collecter. Ah, mais en fait, c'est pas que des baleines. Il y en a plein de trucs en or. Bon, ok, bon, on va essayer de retourner dans un niveau avec notre vaisseau. Hein, parce que j'ai l'impression que c'est quand même le cœur de ce jeu Ballpoint Universe. Alors faut que je retrouve une dame. Ça, c'est une madame hein, qui nous emmenait dans les airs là, in the sky. Bon alors, ouais, alors par contre, si je tombe tout le temps, on va jamais s'en sortir. Bon, ah bah voilà, c'est bon. Moi, tiens, oui, je retournais en l'air, madame. Merde, je veux pas. Bon, comment je suis arrivé ici, moi déjà? Faut que je me souvienne, comment je suis arrivé ici? Je ne sais plus. Mais si, c'était une grosse porte en or. Faut que je retrouve cette porte en or. Enfin, cette porte du destin. C'était par là, je crois. Là, il y avait Monsieur Télé qui sert à rien. Ouais, bah ouais, mais non, mais ça, c'est une voie sans issue, hein. Voie sans issue, voie sans issue, hein. Pas avancer. Bon, dans ce paysage plein de palmiers... Où est la suite? Où est la suite, s'il vous plaît? Voilà, j'ai l'impression de tourner en rond dans ce monde. Alors, c'est quoi? Il n'y a pas un panneau? Il n'y a pas quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi, indiquez-moi quelque chose! Indiquez-moi quelque chose, s'il vous plaît! Qu'est-ce que je dois faire? Ah, j'ai l'impression que je peux sauter haut des fois et pas des fois. Bon, je ne sais pas, bref. Bon. Oui, il n'y a rien. Et oui, moi, je suis retourné faire un coup de vaisseau, là. Bordel. Ils sont où les vaisseaux? Oui, toi. Toi, je vais aller en l'air. Génie, oui. Bonjour. Ouais, je veux voir des nouveaux doodles, c'est cool. Mais ouais, mais non, mais... Tu sers à rien. Mais clairement... Bon, sinon, on a quoi dans le menu, là, parce que... Home Garden. Ah, on peut retourner à la maison? On peut retourner à la maison, c'est bien. Ah, bah voilà, c'est bon, on va retourner dans les airs. On va customiser notre vaisseau. Et on va essayer de battre le boss. Allez, c'est reparti! Musique d'ambiance. Nouveau vaisseau. Enfin, non, c'est le même. Mais, alors, on va upgrade. Mais j'aime pas, moi, je veux les trucs qui tirent, c'est bien.
Submachine gun. Oui, ça c'est bien, j'aime bien. J'aime bien les submachine gun. On a quoi encore? Est-ce qu'on peut encore l'update? Oui, voilà, on va avoir un... Ah bah non, j'ai pas vu que j'avais pas assez d'argent. Voilà. Comme par hasard, faut 500, j'ai 450, hein. Toute la logique, à chaque fois c'est pareil. À chaque fois, de toute façon, c'est tout le temps pareil. Enfin bon, tant pis. Du coup, je vais plutôt upgrade le tout-tri. Hein, qui me rajoute un peu de vie, voilà, très bien. Et ça coûte 200 ou pas? Non, pas de bol. Ok. Ah, on a le choix des armes aussi. Ah oui, non, en fait, oui, vu que j'en ai que deux, de toute façon... en mêlée et pas en mêlée, c'est pareil. Enfin, mêlée, l'arme de corps à corps, hein, bien sûr, pas des armes qui sont mêlées. Ouh, c'est pas le même niveau. C'est pas les mêmes ennemis. Tiens, coupe, attaque tranchette. Oui, bon, casse-toi, message, là, tu vois pas que tu me gênes en plein milieu de cette aventure. Move your ship, oui. Ah bah, d'accord, en fait, fallait que je clique en plein milieu de ce niveau sur ce message pour comprendre les boutons, quoi. Mais oui, j'ai vu que c'était automatique, le corps à corps, bien sûr. Fallait me le dire avant, ça. C'est quoi, ça? Des coccinelles! Attaque des coccinelles! Puis des fleurs qui tombent du ciel! Les fleurs hélicoptères, c'est quoi, ça? Oh, un truc de molette. Ouh! Wow! On se calme! On se calme, parce que là, c'est la grosse attaque de perdu, quoi. Tiens, je te coupe en deux. Tiens, claxinelle, j'ai pas pu voler. Oula, elle a l'air puissante quand même, cette arme de mêlée, hein, mais soumis à haut risque. Vu qu'on doit se mettre au corps à corps, bien sûr. Tiens, la coccinelle. Oh merde. Ouch. Your was undamaged. C'est pas grave. Ah oui, bah du coup, je perds une super attaque quand je meurs. Ça, c'est triste, par contre. Oh là, il y a une méga-bombe. Méga-bombe volante. Ah oui, mais en fait, ça... Ouh là, oui, en fait, ça pète, ces trucs-là. Ça pète. Donc, nouvelle ambiance, le monde des coccinelles, le monde vert. La biologie, c'est la vie. Bah oui, c'est vrai, tout à fait. Bon, moi, je vais voir le boss. Hein, parce que, bon... Ah, voilà, il arrive. Le boss arrive. Moi, je dis que ça va être une grosse coccinelle. Allez. Oh. Oh, mais c'est un hibou. Ah oui, mais en fait, c'est ce qui est en dessous, le hibou, en fait, le boss. Allez, tiens, prends ça. Je sais pas combien ça te vit, mais j'ai l'impression de taper un mur, quoi. Je tape un mur, je sais pas si ça meurt un jour. Demain, ne meurt jamais, tout à fait. Oh là là. Ouh. Ah oui, ça tire des boules qui tirent des boules. Ah bah ça va, c'est pas trop compliqué, quoi. Bon, j'ai pas de super pouvoir, malheureusement. Pas encore, ça devrait pas tarder, j'espère. Bon, on peut apprécier cette magnifique musique d'ambiance bossuesque. Loulalala. Bon. S'il vous plaît, tuez-vous. Ah, j'ai le super pouvoir. J'ai le super pouvoir. Ah, c'est bon, j'ai cassé quelque chose. J'ai quelque chose. On est bien là, on est bon. Ah oui, j'ai cassé un deuxième truc. Allez, oulala, troisième truc de cassé. On se rapproche de la fin de ce premier boss. Le boss de la victoire. Allez, on y croit, voilà, on est bien. Il reste plus que celui qui est tout en bas. Ah non, il y en a encore un en dessous, il était caché. Le malin. Voilà. Ah oui, mais en fait, il y en a combien? Ah non, c'est bon, c'est la fin. Ok, c'est bien, on se calme. On ne se déconcentre pas, il faut pas mourir maintenant, ce serait dommage. Bon, ça va, c'est pas l'ennemi le plus dur, j'ai l'impression, ça tire dans tous les sens, sauf sur toi. Ah oui! Eh, c'est la vie. Shop! Ah, shop, je suis rentré dans un shop! Ouais, bah en fait, c'est juste la fin du niveau, quoi, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai l'impression qu'on n'a pas trop de choix d'armes. On peut pas acheter des nouvelles armes, là, s'il vous plaît. Wow. Non, on peut pas. Ok, bah, du coup... Bah, on va partir, non? Non, est-ce qu'on peut partir? C'est quoi, ça? Ship, on est ready. Weapon, high level. Ok. C'est quoi? On gagne des alliés en collectionnant des parties et en achetant des upgrades. Ok.
Ok, bon bah si tu le dis, c'est sûrement que c'est vrai. Alors on va prendre. Non, moi j'ai encore envie d'augmenter le machine gun. Voilà, submachine gun level 3. Super. Allez, alors est-ce qu'on se fait un petit niveau encore? Allez, un dernier pour la route pour avoir une dernière nouvelle ambiance. Oh, Wave 5! Pourquoi Wave 5? Parce que. Ah, c'est peut-être dans la continuité du niveau précédent. Alors, oui, il y a des ennemis avec des boucliers. Ouais, ok. Ah, donc faut y aller avec l'arme de corps à corps. Donc, celle-là. Eh oui, attaque tranchette! Attaque cul-de-coupe! Oh là 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 là. Et c'est là que tu te dis, j'aurais dû prendre le bonus de points de vie. Chose que je n'ai pas faite. Enfin, d'un côté, j'ai le super pouvoir! Et oui, le plus important, c'est l'argent. Non. Surtout si vous êtes en couple, hein, parce qu'à mon avis, la carte bleue, elle doit bien choper. Bref, passons. Passons, passons, voilà, un peu de thunes, un peu d'œil de castor. Ça fait toujours du bien pour le porte-monnaie. Juste dans ce monde, hein, parce que dans la vraie vie, ça sert à rien, les yeux de castor. Bon, j'arrête pas de crever, là. C'est pas bon. C'est pas bon, là. Force de dire des bêtises, je ne tiens plus la route. Allez, hop. Coupe, coupe, coupe. Coupe, coupe, coupe. C'est la frimousse. Je sais pas si j'ai plusieurs points de vie, ou je sais pas si je meurs directement si je me fais toucher. Allez, hop. Ah, ça va trop vite, y'a trop de trucs. Trop de trucs à éviter. Ouh là 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 là, c'est bientôt la fin de cette vie. J'en ai encore, hein, ne vous inquiétez pas. Mais oui, mais bon, là, il commence à y avoir beaucoup de choses, madame. S'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. On veut quand même voir le boss. Hein, l'objectif, c'est de voir le boss. C'est ça? Mais c'est le. Non? Enfin, je suis pas sûr que ce soit ça, en fait. J'ai pas eu la pancarte boss arrivé de. Bon, bah, ok, il s'en va. Okay, si tu veux, hein. Oh! Mais non, mais. Le mec, il lance pas des munitions. Enfin, ses munitions, c'est des vaisseaux, quoi. C'est n'importe quoi. C'est complètement pété. Tiens, je te coupe en deux. En fait, ça me remet peut-être de la vie aussi, les globes là. Merde. Ah, j'ai mal. Ou alors cette barre de vie n'est pas super explicite. Oula, le coup de couteau qui arrive au bon moment et je suis mort. Je suis mort, c'est la défaite, la déception, loi dingue. Et voilà, This Run, on a fait cette wave. Les derniers trois, c'est plutôt une bonne amélioration. Oh! Je l'avais eu celle-là tout à l'heure, madame. Bonjour. Qu'est-ce que tu me dis? Tu sers à rien. Ok, c'est cool. Oh, on dirait des podiums. C'est peut-être vraiment des podiums, en fait. En tout cas, je vais arrêter la vidéo là. En essayant de pas crever. Donc, si vous voulez gagner ce jeu, Ballpoint Universe, hein, n'oubliez pas de mettre un commentaire sur la vidéo sur YouTube. Hein. Tirage au sort prochainement. Je connais pas encore la date. Ce sera écrit en commentaire de cette vidéo. Et j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!